Donc le little walk, en fait, ça consiste à faire des tout petits pas, mais c'est un peu compliqué quand même parce qu'on utilise les pop, d'accord? Donc le but, c'est que la jambe va s'avancer. Alors vous connaissez le mouvement dans Scoot Criminal, hein? C'est à peu près le même genre, d'accord? Sauf qu'il l'a utilisé une fois sur Billie Jean. Donc j'ai repéré le mouvement, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de vous le montrer, comme ça il sera peut-être mis plus en valeur. Donc le mouvement, en fait, vous voyez, c'est juste vraiment d'avancer comme ça. D'accord? Donc le pas, il est simple. C'est-à-dire que quand on avance pied gauche, il y a l'épaule gauche qui se lève. D'accord? 1, 2, 3, 4. Là. Sauf que ce mouvement-là, il sera entièrement en pop. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut rajouter un effet, on va se lever et. D'accord? Donc, le but du jeu, c'est d'envoyer faire un mouvement. D'accord? Donc on peut. Vous voyez, donc un mouvement, d'accord, donc n'oubliez pas ce mouvement là, il se fait en pop, 1, 2, 3 et 4, je vous le remontre encore une fois, donc mouvement en pop. Il y a deux façons. Il y a aussi une autre façon qui consiste à partir comme ça, mais je vous montrerai une autre fois. Ok, donc je vous montre le mouvement doucement. 1, 2, 3, 4. Contrairement au hip-hop, où on va décaler les jambes complètement, d'accord? Là, c'est un autre style. Enfin, ça va pas le même style, mais un peu modifié. D'accord? Vous pouvez jouer aussi avec la tête, vous voyez? Avec le cou qui se balade. Et... refait.